What's up les potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans ma maison, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi. J'espère que toi, tout va bien, tu vas passer une belle journée, belle soirée, bonne nuit, whatever. Donc premièrement, ne fais pas attention à mes cheveux, j'ai pas pu enlever mes tresses avant la vidéo puisqu'elles sont pas encore 100% sèches. Puis les filles savent que si on défait nos tresses quand elles sont encore mouillées, ça fait pas un beau frisé puis ça dure pas. Fait que je veux vraiment que ce soit complètement sec avant de les enlever. Fait que c'est pour ça que dans cette vidéo-là, je vais avoir l'air de Fifi Brenassier, mais ça me dérange pas parce que je sais qu'après, I'm gonna be chicks. So, fait que dans cette vidéo-là, comme tu peux voir, j'ai une boîte ici. J'ai une autre boîte ici. Puis j'ai aussi une autre boîte ici. Dans ces boîtes-là se cache mon tout nouveau lit. Dans le fond, je me suis commandé un nouveau lit pour ma nouvelle maison. On l'a pas encore monté, ça fait genre un mois qu'on est déménagé, puis on dort à terre comme des pauvres. Checkez ça. Le matelas à terre direct. Puis pour être honnête, je suis pas mal tannée de ça. Puis j'ai décidé de le faire aujourd'hui. J'ai jamais fait ça de ma vie, fait que ça risque d'être très complexe. Surtout qu'il y a comme trois boîtes, fait que comme vous pouvez voir, il y a plusieurs affaires à assembler, puis tout là. Je sais pas que ça va donner. Ça se peut que dans cette vidéo-là, il y ait beaucoup de mode rapide, puis que je parle pas trop, puis que je vous voyais juste genre moi qui essaie de construire, puis qui s'enrage, tu sais. Je vais essayer de pas trop sacrer parce que ça fait partie de mon quotidien. Puis quand je fais quelque chose puis que je suis pas capable de le faire, je sacre. By the way, mes enfants sont là avec moi aujourd'hui. Fait que ça se peut qu'ils viennent déranger un petit peu souvent la vidéo. Like this. Allô ma poupée! Tibi! Tu veux dire allô aux amis? Coucou! Au moins c'est pas du Ikea, c'est du structure. Fait que ça risque d'être moins compliqué, moins long. Puis c'est aussi un très très beau lit. Pour vrai, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai acheté en ligne. Puis en plus, c'était en rabais. J'étais bien contente. Je pense que je l'ai payé 650$ si je me rappelle bien. Puis c'est ça, je vais vous montrer pour une photo de ici. Allô mon poussin! Puis je l'adore, pour vrai, gros coup de cœur. J'ai très très hâte de le monter et de voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça va être super facile à faire parce que j'ai pas envie de passer 32 heures à faire ça, on s'entend. Okay. Fait que la première étape, ça va être d'enlever la doudou, d'enlever les draps, tout, direction, lavage. Je lève le matelas, je le mets sur le côté, puis après je monte le lit. Avant, je vais faire un petit coup de balai pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière, whatever. Fait que, on commence ça! Ok, juste pour dire que là, il est 10h26 du matin. On va voir, ça va prendre combien de temps à monter le tout. Moi, je me donne environ peut-être 1 heure, fait qu'on verra bien. On va quand même juste ouvrir les boîtes, ça va me prendre 25 minutes chaque. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Wow. Oh shit! Et... Je commence un petit peu à regretter d'avoir commencé ça seule. Tabarnak! En tout cas, c'est vraiment pas du jeu, hein? Ça paye 250 livres, tabarnak! Check ça! Hey, le dessus est tellement doux! Waouh, waouh, waouh! Fait que ça, c'est en fait, c'est la tête de lit pour ceux qui l'ont pas encore compris. Waouh! Shit! Fait que je vais aller mettre au bout de la bosse parce que sinon ça va aller. J'espère que c'est correct ce que je fais. Je suis en train de découper les affaires. Dans le fond, il y a ça ici qui sert à je sais pas pourquoi. Très, très sec et piquant. On met ça ici. Ici, nous avons. Je sais pas, c'est quoi? Je vais pas l'ouvrir tout de suite.
Bon, il vient d'être écrit que je n'ai plus de place. Ok, prise 2, il vient d'être écrit sur mon téléphone que j'ai plus d'espace de stockage dans mon sel. Fait que ma vidéo, elle a comme coupé direct. J'ai effacé quelques petites affaires, quelques vidéos. Mais je sais pas si je vais avoir full de temps pour terminer ma vidéo. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis quand ça va arrêter, ben je vais prendre mon autre téléphone pour continuer à filmer. Je suis vraiment tannée de cette méthode-là pour pouvoir utiliser mon sel. Surtout que la qualité est beaucoup moins wow que si j'avais une caméra. Puis pour vrai, j'y pense sincèrement à m'en acheter une caméra. Je suis à ça de le faire. Je pense que je vais attendre le Boxing Day quand il va y avoir plusieurs rabais à plusieurs places. Mais je me demandais, la gang, pour ceux qui m'écoutent, est-ce que vous utilisez une caméra? Est-ce que vous faites des vidéos? Quelle caméra est la meilleure? Avez-vous des suggestions pour moi? Parce que j'ai feuilleté un peu Amazon, je risque de l'acheter sur Amazon pour être honnête, parce que j'ai pas envie de me déplacer, je vais faire ça rapide au resto. Fait que pour les caméras qui sont sur Amazon, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui en ont déjà acheté? Si oui, quelle est la meilleure? Qu'est-ce que vous me recommandez? Quelles sont vos suggestions? Dites-moi ça en commentaire. Fait que on reprend fabrication du lit dans le fond. Là, je suis en train d'ouvrir cette petite boîte-là pour voir qu'est-ce que c'est. C'est full lourd quand même, fait que je suis sceptique, mettons. Le reste, c'est du cache-tête, là! Ah! J'imagine que ça va quelque part dans le lit, hein! Faudrait peut-être que je trouve le livre d'instruction à m'amener. Mettre une genre de housse pour cacher le derrière. Vu qu'il y a comme, je vais vous montrer, là. Elle a pas mis mon téléphone. Ça a l'air de ça à l'intérieur, fait que je suis contente qu'ils ont comme mis une housse que tu mets dessus de même pour rendre ça cute. J'aime bien! J'aime le concept! Je vais remettre ma caméra là. Ok, je vais essayer de sortir ça sans la maganer, on s'entend. Fait que voilà la tête de lit, elle ressemble à ça. J'adore la couleur, j'adore la texture, j'adore les petits boutons, j'adore tout. Est-ce pas belle? Fait que voilà, ça c'est pour la première grande boîte. Fait que je suis contente, je vais pouvoir enlever ça de ma chambre pour en faire un peu plus d'espace. Fait que c'est chill, on sort ça de la chambre, première étape de fait. Alright, on est rendu aux deux. On va y aller avec ça un exacto, on va voir si ça va aller mieux. En fait, il n'y a pas de questions à se poser, c'est sûr que ça va aller mieux. Vraiment, je finis ce lit aujourd'hui, on s'entend, parce que le bordel que je suis en train de faire dans ma chambre, ouh, j'en durerai pas ça longtemps. Ok. J'ai vraiment chaud, là. Je suis dans la chaleur. Hey. J'arrêtais pas de dire mon chum, mais non, je suis capable de faire ça. J'ai pas besoin de toi. I'm a strong woman. J'étais comme ok, vas-y tout seul, je suis comme je vais te montrer que je suis capable. Puis là je suis là, puis je suis comme pourquoi je fais ça tout seul? Ah ouais, ouvre-toi. Si tu fais chaud, tabarnak. Fuck, il y a tellement de petits morceaux, ça finira plus. Never get down, never what, never give up. Yeah, lit d'instruction. Ok, un moment d'attention, ma gang, vous devez absolument regarder le nombre de pièces qu'il y a, le nombre de vis qu'il y a, le nombre de petits bouts qu'il y a. I'm gonna fucking die. J'espère que c'est écrit en français, babe. Ouf, au moins c'est écrit en français, je vais au moins me casser la tête. Mais quand même! Oh shit, on est taché. Ok, on se fait. Fait que c'est ça, il y a des petits morceaux partout ici et là. Un petit cube en mousse tout mignon. Ça, c'est ça, des pâtes. Alright, on va tout mettre ça ici. Ce qui est le plus tough pour moi en ce moment mentalement, c'est le fait que je dois gérer mes enfants en même temps de construire ça. Fait que genre, ça me trigger un peu parce que je suis fait un petit peu de TDAH. Fait que faire des affaires en même temps de même et en même temps de gérer les enfants, ouf, ça c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va essayer d'y arriver. This is des bouts de bois. Je sais pas à quoi ça va servir, mais on verra bien au fur et à mesure de la construction. Il y en a un tabarnak à part de ça, je sais pas trop ça sert à quoi. Oh mon dieu, j'ai tous les bouts de bois qui vont en dessous du lit. Il va falloir que je le mette moi-même chacun. Ça va tellement être long, big tabarnak, quand j'ai commencé à le faire le matin. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Des côtés du lit. J'aime tellement le lit, je le trouve tellement cute. Ah, c'est que je suis en amour. Ok, voilà. Ça sent le nœud. Je pensais au début que ça puait, mais finalement ça sent juste le nœud. Fait que j'enlève le premier bout, qu'est-ce que je vois?
d'autres bouts de bois. Yes, sir, Ritter. Tant qu'on en avoir 100, on va y en avoir 2000, hein, pourquoi pas? Fait que ça, c'est des petites pattes. Ça, ici, c'est des longs bouts de bois avec des bouts de dents en métal. I don't know what it is. Ça, c'est des petites pattes, encore une fois. Je pense que ces petites pattes s'en vont juste ici. Oh, je suis venue de me rentrer un bout de bois dans le doigt, tabarnak! Et ici, c'est le gros kit des mille et une vis, bout de bois, etc, etc. Ils ont quand même bien emballé ça avec un petit fil bleu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça de même, mais... Ok, ils ont pris ça. Un autre bout de bois. Celui-là, c'est le plus long. Je sais pas où le mettre. On va le mettre ici, madame. Alright. Ok, ça, c'est le deuxième côté. Deuxième côté. Le voilà. Bon. Alright, fait que là, je pense que c'est bien. Oh non, c'est de la merde, il y a bien autre chose. Je suis tellement découragée comment il y a du stock assemblé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Alright, fait que je viens d'aller chercher mon autre téléphone. Fait que quand celui-là va m'écrire que je n'ai plus d'espace dans mon sel, bien je vais continuer avec celui-ci qui est l'ancien à mon copain. Voilà. Fait que poursuivons. J'étais rendue à un stade que je ne comprenais pas à quoi ça servait et encore une fois, à ce moment-ci présent, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, on verra bien. À force de construire le tout, il y en a aussi d'autres sites. Vraiment, ça me rend perplexe. Je me demande vraiment à quoi ça pourrait servir. Check ça. That's weird. Un autre petit bout. Ça, je pense, selon mes calculs, que ça va de là tout de suite en avant du lit, puis que les tiroirs vont être par-dessus ici comme ça. On verra bien à la fin si j'avais raison, je suis sûre que ça sert à ça. No joke, juste ouvrir des boîtes de même, ça m'a tout pris, man, ça m'a vidé, je suis déjà fucking fatiguée, j'ai eu chaud. Bon, on est rendu à l'assemblage, la gang, c'est pas beautiful ça? So, on va y aller étape par étape, on va y aller tranquillement pour être sûr de pas oublier quelque chose, de mal faire quelque chose. Ok, bon. So, grand lit avec rangement. Ouais. Ok. Donc, instruction de montage. Étape numéro 1. Ouvrez les tiroirs et retirez les blocs de mousse d'emballage. Oh, j'ai l'idée de faire tantôt. Alright. Écoute, c'est pas que je comprends pas. C'est juste que je comprends pas. Tabarnak, même, attends. Parce qu'ils disent rien. Ils font juste montrer des images avec numéro 2, 3, 4. Là, c'est compliqué. Ils disent qu'il faut qu'ils rajoutent des petits bouts de bois. G1. G1. Qu'est-ce que c'est que le G1? G1, c'est ça. Ok, on respire. On va tout étaler ça comme il faut pour voir chaque affaire. Ça ici. Ça, pas besoin. Deux bouts de bois ici. Non. Je vais pas sauter les étapes parce que sinon, ça me garde déjà. G1. Faut que je trouve G1. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est le Z. Je comprends pas pourquoi il écrit pas, parce que c'est sans dessin, mais c'est ce qui est écrit. Oui, c'est le R. G1 x 1. Alright. On va commencer par ça. Ok, bah, on va se mettre ici comme ça, là. Et on va aller coucher ma petite tête de lit. Prochaine étape, mettre le G1 à la gauche. G1 qui est ça. Ok, ensuite. Ça commence bien, gars. Ça commence pas très bien, mon dieu. Pas de train, va loin. Never give up. Rêve de main. Voilà. Ne pas serrer complètement. Bon, là, il faut que j'utilise des vis. Faut que je verse. L-L-N-L-N-C-B. Ok, checkez-moi ça, toutes les choses que j'utilise pour celui-là. N-N-C-C-B-B-B, voilà, voilà. L-L-N-N... Oh! Oh, ok, ça, je vais faire relever parce que c'est ce qui va être le plus important à l'époque, alors ça va pas aller. Pour tourner les vis, fait, voilà. Okay, faut absolument jouer la fenêtre, je suis sous bord de passer ma gauche. Pitié, dis-moi que t'as numéroté les fucking. Ils ont même pas numéroté. Comment après ça, je sais qu'est-ce qui est bébé, dédé, cc, dédé. Sacrement. Ok, le B, c'est les petits ronds.
je pense que de filmer tout le processus, ça va être vraiment trop long. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace dans mon sel. Fait que je pense que je vais faire pause live. Je vais assembler quelques petites affaires rapido presto. Je vais assembler quelques affaires, puis on se rejoint un peu tantôt. Je vais continuer le vlog quand je vais avoir fini, genre la tête de lit ou whatever. Fait que on se revoit dans pas longtemps. Okay. Ciao! Ok, pas super la gang, j'ai réussi à mettre les deux petits bouts de site. C'était correct. Fait que voilà, la tête de lit est rendue de même. Fait que faut que je continue la suite des choses. Bon, fait que là, l'étape numéro 3 est complétée. On entame maintenant la numéro 4, qui est de mettre le poteau à 1. Ça, c'est le poteau à 1. Ouais, c'est juste vraiment cave qu'il n'ait pas écrit sur les affaires de même à 1, tu sais. Je trouve ça vraiment épais, mais en tout cas. Sur la photo, c'est comme pas très clair. C'est tellement écrit ici, c'est bien bizarre. Alright, fait que là on est supposé mettre ça ici. Le petit poteau black est bien mis et c'est parfait. On est rendu à l'étape numéro 5. Prendre un marteau puis rentrer les petits bouts de bois dans les longues affaires que j'avais vues tantôt que je sais pas j'ai mis où. Ok, ils sont dans la boîte là. Alright, fait que là on est rendu à cette étape-ci. Pourquoi j'ai la toune des Beatles en tête? J'aime même pas les Beatles. J'ai la toune. Let it be, let it be. Fait que là faut que je rende les petits bouts de bois. Fait que dans le premier site. Alright, puis dans le deuxième site. Fois deux, fait que de chaque côté. Alright, deux bouts de bois. Fait que premier là-bas. Alright, puis deuxième site. J'avais pas besoin de marteau, Big, ça rentre direct de même. Ça parce que je suis extrêmement forte ou parce que c'est complètement sans désir. Après, c'est toutes les jeux qu'il faut qu'il rentre. Niaisez-moi pas, c'est-tu qui a besoin de marteau, what the fuck? Bon, fait que ça c'est fait. Étape numéro 6. Ne pas serrer complètement. Je comprends pas pourquoi il dit de ne pas serrer complètement. Je suis en train de faire les lignes, je vais pas le faire 10e fois là. Je fais tout one shot là. Je cours ça, puis on se revoit tantôt. Update, j'ai mis les côtés de mon lit. Mais là, je suis rendue à l'étape de mettre les petits poteaux ici comme ça. Il est supposé en avoir 3. J'en ai 2, je ne trouve pas le troisième. Là, je commence à capoter un petit peu. Puis j'ai fait le tour, je le trouve pas. Fait que là, je suis arrondie à l'étape à mettre les côtés comme ça, avec des vis au bout ici. Fait que je vais placer le deuxième juste ici à sa place. Puis c'est ça. C'est l'étape numéro 9. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je dévisse les vis pour pas qu'ils soient trop renfoncés, genre. Puis ensuite de ça, look at my veins, what the fuck, man? Fait que tu ressors un petit peu, ils disent, puis après, tu les rends toutes une par une dedans. Ok, c'est fait, c'est enclenché. C'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi. Ok, fait que on est rendu à l'étape 10, qui est les tiroirs. Voilà. Ok, guys, je me suis enragée pour rien. Je me suis juste trompée. J'ai pris les foncés comme ça. Mais il y en a juste deux, c'est pas pour ça. Ça, dans le fond, c'est pour les tiroirs. Puis je me suis trompée. Le paquet de 3, c'est lui. C'était ça qu'il fallait que je mette. Maman l'a trouvé, je sais, c'est correct. Maman l'a trouvé. Je vais mettre de même, ça va être plus facile de voir ma tête. Non, c'est correct, j'ai dit, maman l'a trouvé. Maman? C'est pas lui qui va là, maman, elle s'est trompée. Maman est pas parfaite, maman aussi fait des erreurs. Voilà, deuxième, on est rendu au troisième. Invité? 1, 2, 3, Archie, il a combien? 1, 2, 3. Oui! 1, 2, 3, yeah! Ouais! H? 1, 2, 3. H? Oui! Moi! Bisous! On était rendu au tiroir juste ici, le 10. Alright, fait que là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je mette les deux poteaux ici. Alright, les deux poteaux sont rendus où? Vous voyez pas, j'ai perdu. Ok, ils sont là. Ouh, j'ai eu chaud. Fait que les deux petits bouts, ils s'en vont ici.
Là, c'est un petit peu dur de rouler. Ok, bon, je vais raconter mon sel parce que faire ça avec la main gauche, c'est pas top. Ok, je vais mettre des petits bouts de bois. Des petits bouts de bois de chaque côté. Ouais, ça, c'est ça. Des petits bouts de bois. Ok, alors, ici, il y a trois trous. Faut que je mette des petits bouts de bois ici, puis ici. On va sortir les petits bouts de bois. Un. Deux. Pour ça, de chaque côté. Trois. Bon, fait que mon sel vient de lâcher, il dit qu'il n'y a plus de stockage dans mon sel, il y a trop de photos et vidéos, fait que je vais continuer avec ce téléphone-là, mais là, le problème, c'est que je peux pas me voir dans la caméra. Faut que je le fasse genre, pas frontal, mais l'autre caméra, parce que celle frontale, où est-ce qu'on se voit, est comme brisée, fait que c'est tout flou. Fait que j'ai pas le choix d'y aller comme ça, fait que je me vois pas, j'espère que je suis quand même centrée dans la vidéo, puis que ça va bien se passer. Fait qu'on va continuer avec ça. Ok, là, on était rendu à l'étape... Ouais, l'étape des tiroirs. Fait que là, on est rendu à mettre des vis... Ça, je vais attendre mon copain parce que pour vrai, pour les vis, je choke, j'ai trop peur de scrap de quoi, c'est quand même des tissus. Fait que pour les vis, je vais attendre mon copain, fait que je vais continuer avec autre chose. Okay, je viens de me regarder dans la caméra, j'ai tellement l'air de mouton, mes cheveux, c'est absolument horrible. Mon Dieu, j'ai honte, mais regarde, c'est pas une vidéo de pouponnage de snatching, c'est une vidéo pour monter un meuble. Fait que ça paraît que je rush en esti parce que ma tête vous le couvre facilement. Bon, fait que comme j'ai dit... je toucherai pas au tiroir davantage. Je vais attendre que mon copain arrive parce que là, il faut mettre des vis. Puis j'ai pas envie de visser le dessus. Finalement, je me trompe, ça fonctionne pas. Fait que je vais attendre que mon copain arrive. Puis on va faire tout ce qui est drill. Fait que je vais switch cette partie-là. Je vais mettre plutôt. Je vais commencer à faire plutôt le milieu du lit. Mais comme vous pouvez voir, je suis quand même déjà très popée. Là. Je me débrouille quand même assez bien. Ouais, je suis à moi. Ça va bien, ça va bien. Fait que c'est ça. Là, je vais faire l'étape dans le fond. Celle-ci. Oh, pour une fois, tu as écrit une instruction logique. Mais là, je vais mettre le projet sur pause parce que là, mes enfants ont faim, c'est l'heure du dîner. Fait que je vais arrêter ça là. Puis je vais aller faire le dîner de mes enfants. Puis moi aussi, aller manger parce que je commence à avoir un petit peu faim. Fait que là, mon cerveau, il commence à capoter un petit peu. Fait que ça doit être pour ça que je fais des erreurs. Faut que je mange. Fait que je vais aller manger. Fait que partie 2 du vlog, tantôt après le dîner. Ciao! Ok, finalisation du lit. Checkez-moi ça, comment il est beau. Je suis complètement en amour, je capote, il est tellement beau. Par contre, il est vraiment très très haut. C'est à cause de notre matelas, comme vous pouvez voir, qui est assez épais. Il faut vraiment voir, mais j'ai juste hâte que mes draps soient propres, qu'ils sortent du lavage. Oui, mon poussin! Puis qu'ensuite, je mets le petit... Ça va être clair. Coucou! Coucou! Bisous! Ok, ceci termine officiellement la fin de mon vlog. J'espère que vous avez aimé mon nouveau concept qui sort un peu de l'ordinaire et qui fait changement. Moi perso, j'ai pas tant aimé ça monter mon meuble, mais je suis très contente de l'avoir enfin ici, mon beau lit d'amour. J'ai tellement hâte de dormir ce soir dedans. Ah, pour vrai, je suis vraiment contente. Mon chum surtout qui est venu m'aider après avec son copain pour finaliser le tout. Très très contente parce que pour vrai, j'ai rushé tantôt tout seul. J'en ai fait quand même pas payer beaucoup, mais pour vrai, il restait, je dirais, la moitié à faire. Fait que je suis contente qu'il ait géré ça par la suite. Fait que sur ça, on se revoit super bientôt pour une prochaine vidéo, la gang. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente de me revoir dans votre écran. Puis sinon, joyeux temps des fêtes, prenez soin de vous, puis j'espère que vous allez tous être full gâtés à Noël. Ok, ciao!